几个月前，我在 FB 收到一个很神奇的讯息，一位法国女生用中文自我介绍，跟我说打工从中国到台湾，现在住西螺，然后我没有来过台北。重点是她说她去年才高中毕业，代表说她应该是把19岁而已。我就想说，哇塞，这么一个这么年轻的法国女生中文可以讲这么好，还有她为什么会从中国来台湾呢？突然觉得很好奇，决定要邀请她来台北，介绍台湾的北部给她。不过因为疫情的关系，我们不得不延后，延到他要飞回去法国的那个礼拜。因为他在西洛很忙，我们只能在他回去法国以前帮他安排一个快闪台北3天行，让他快速的游台湾北部。顺便跟大家分享一个刚从高中毕业的外国人认识中国跟台湾的过程，想要透过他比较单纯和新鲜的角度，让大家了解外国人第一次到这两个国家会有怎么样的想法。我们一起来听从中来台的法国女孩有什么故事吧。玛丽到台北了之后，我们现在再去饭店放行李。哇，酱油，酱油，哇，感觉好高级哦！最好吃的台湾的酱油吃了7多年。哇！然后再带他去吃晚餐，让他尝试一个他从来没吃过的东西。Bonjour Marion, bienvenue à Taipei. Comme c'est l'heure du repas, on s'est dit qu'on allait t'emmener pour quelque chose riche en nutriments et à volonté. Eh ben ça va. Est-ce que t'as déjà eu une fondue chinoise avant? Hongkoma. Ouais. Oui. Est-ce que t'as déjà mangé ce qu'ils appellent une mala hongkoma? Tu peux manger épicé? Oui, oui, pas de problème. C'est ce qu'on va voir maintenant, c'est parti. Alors ensuite, on a été manger le mala hongkō. Mon premier mala hongkō. Ouais, ouais. Oh là là, puis la vue, elle était trop belle. On voyait là, Illimi, c'était super beau. En plus de nuit, comme ça, là, on voyait toutes les voitures. Ah non, ça, c'était un beau restaurant, hein, y a pas à dire. Voilà, donc Marion, on est au cœur de Taipei. T'as la tour 101 qui est juste là. T'as déjà mangé une fondue chinoise avant? Oui, oui. T'en as mangé où? Shanghai, Taichung, Xilo, Duryeo. T'en as mangé beaucoup? Oui, oui, oui. La fondue chinoise à la base, ça vient de Chine. Ça vient. Alors, il y a des sources qui divergent, mais apparemment, ça vient de Chongqing. Et c'est là d'où vient donc le malin hongkō, qui est caractérisé par une soupe très épicée. Ici, c'est des tsudōbao, donc c'est illimité. D'accord. Est-ce que tu saurais commander? Je saurais commander. Oula! Y'a aucun ce mot de Meiguo Hei He Nyo. C'est ce mot. Tiède. Oh, Nyo Tiède. Nyo Tiède, ce mot, il se peut de Tiède. Tu peux commander. Ah, moi je suis quand. Est-ce que tu manges du taro? Oui, 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 ça, on est déjà goûté. Tu manges du taro? Bah, du taro canol. Ok, on va la dire. Il y a enfin eu taro. Là, on va donner notre commande. Et pendant que la nourriture arrive, on va aller faire maintenant. C'est qu'on va aller faire notre propre sauce. Ça va. Donc t'as déjà fait celui de la sauce? Oui, oui, ben, c'est la première fois que je le fais à Taïwan, mais je l'ai déjà fait à Shanghai. Alors qu'est-ce que tu mets dans ta sauce? Et moi j'aime bien beaucoup de vinaigre et un peu du reste. C'est ça, en fait je mets quasi que du vinaigre. Là c'est une sauce à la shanghaïaise? Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une sauce à la shanghaïaise. Et il y a un truc qu'on fait à Taïwan, je sais pas si on fait ça oui, oui, à Shanghai. Oui, oui, tu prends l'œuf et tu le prends. Ça tu le fais, tu veux le faire? Tu le fais comment toi? Vas-y, essaye. Ah oui, ça m'a surpris aussi. À un moment, tu m'as donné un œuf et en gros, t'avais une sorte d'appareil. Tu m'as dit, ben voilà, débrouille-toi, tu connais. J'étais là, ben non, moi je connais, mais juste on mange le trogo, puis on le met à la fin, on le mange quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon œuf maintenant? En vrai, je sais même pas ce qu'il faut faire là. Ce qu'il faut faire, c'est que tu gardes le jaune. Enlève le blanc et tu gardes le jaune. Ah ok, ok. Et en fait, tu voulais mettre directement le jaune dans la sauce et l'utiliser comme ça. Oh, j'avais jamais vu faire ça. Bon, peut-être que ça se fait aussi à Shanghai, mais moi personnellement, à chaque fois, l'œuf, tu vois, tu le prends, puis tu le manges en dernier, tu le mets dans le robot et c'est le dernier que tu manges. Wow. J'espère que t'as faim. Oh là là, tu t'as commandé tellement de trucs. Il y avait tellement de trucs à manger. Oh, c'était beau, hein. Il y avait plein de couleurs, des fruits, de la viande, des fruits de mer et tout. C'était beau, mais il y avait tellement de trucs. 好，你有没有一些你没有看过的东西呢？就是有很多东西我已经吃过，但是就是我听说的关于这个，但是是第一次我看到的。你第一次看到这个？对呀、啊。你知道是什么吗？就是不是在海里面的？不是，这个不是。那我不知道是什么。这个中文哦叫鸡婆。
dis en mode chinois, chinois. Dis-en, c'est moi. C'est les boules du poulet, non? Les quoi? Les boules. Oui. Pas tout le temps. Mais. Ça, c'est des grosses couilles. Oui. Ça, on peut le dire. Ça, c'est des grosses couilles. Ça, c'est quelque chose qui va avec l'une des soupes que l'on a choisies, parce qu'on a deux soupes. Ça, c'est une mala. Donc ça, c'est la soupe qui est épicée. Et ça, c'est une soupe qui est au collagène. Collagène. Je sais même pas c'est quoi ce mot. Tu sais pas ce que c'est le collagène? Le collagène, tu sais, c'est ce qui est bon pour la peau. Ah bon? Ça, c'est de la graisse de poisson. Ça alors. Avec des bêtes goji. Bah écoute, on va voir. Hein. Et ça se met dedans, comme ça. D'accord. Tu sais comment on fait? Moi, je te laisse. Moi, je te laisse. Et on va aussi te faire goûter. T'as déjà goûté avant ou pas? Non. Je sais que ça c'est très bon pour les garçons principalement. Bon alors, en attendant que ça bouille, en attendant de goûter, je te demandais pourquoi est-ce que à la base t'étais intéressé dans la culture chinoise. Alors ça remonte quand j'avais 10 ans avec mes grands-parents, on a été en Chine pour en fait c'était mon cadeau d'anniversaire de mes 10 ans. C'est impressionnant, hein. Quand t'as 10 ans, la Chine, c'est super impressionnant. Et du coup, bah, après, quand je suis rentrée au lycée, j'ai pris chinois LV3. Bah, parce que voilà, je me souvenais d'être allée en Chine quand j'avais 10 ans et je me disais que je connaissais pas vraiment, en fait. J'avais juste ces souvenirs-là et du coup, je voulais revoir. C'est pour ça que tu sais parler chinois? Non, t'apprends vraiment les bases, quoi. Qu'est-ce que t'as appris là-bas? Ni hao, guo jiao mali, wo shi fa guo zhen. Du coup, bah, j'ai choisi ça et après arriver en terminale, je me suis dit que je voulais pas rentrer tout de suite à l'université, que je voulais avant découvrir autre chose. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour moi d'aller en Chine et de vraiment apprendre à parler chinois, voir la Chine pour de vrai. Bon, on va déjà maintenant, je pense qu'on est à peu près prêt là au niveau des premiers aliments, on va déjà te faire goûter mala huo guo, voir si c'est pas trop épicé pour toi. Ah, on va voir ça. Tiens, il te goûte ce gankan. Ce que tu as tant. Ça, c'est un peu genre, c'est épicé mais comme du poivre. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, je pense que le fameux jifo. Je vais essayer. 单单就是没关系。澳洲 M8 M9 黑毛和牛，牛肉吗？牛肉，没有错。哇，那么好吃啊！对啊，我一直在说它真好吃。那这里有一个另外一个东西比较特别一点哦，我先播给你看，就是牛屎了。你知道牛屎什么意思吗？是什么意思？我不知道。你先吃吃看。真的是太多次了。你先吃吃看。真的好吃，但是c'est comme de la viande de bœuf mais genre super tendre. Genre moi je suis bouton de 牛肉，不是吗 ？C'est de la langue de bœuf. Non non non. On te dit ça, on te. Ben la langue de bœuf, tu vois que vraiment. C'était de la viande de bœuf super tendre, super agréable. Moi, je n'avais jamais mangé de la langue de bœuf. Ben, super agréable à manger, hein. Franchement, bien tendre et tout. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu sais ce que c'est? Attends,
Yo Tiao, waouh, D'ailleurs, dans la soupe avec du tofu. 台湾也是，但是台湾也会沾在火锅里面，这样会吸汤，很好吃。好，要不要吃看看？看看吧。我们都吃麻辣哦。Ça, j'en avais déjà mangé, mais jamais dans les rongos. J'en avais déjà mangé pour le petit déj, tu vois. Hein, mais c'est bon aussi pour la soupe. En fait, ce qui est bien, tu vois, c'est que tu le trempes et qu'après, c'est tout croustillant, tu vois. Très chaud. Oh, c'est très très de. Ça a vachement goût de la soupe. Hein. Ça, c'est pas trop épicé? Très bon. Wow. Je suis déjà fagoureux. C'est fiant de. Pas de la. Oh, pas de la, c'est fiant de. Lihai, oh, lihai. Bon, alors Mali, ça fait combien de temps que t'es arrivé à Taïwan? Ben, là, ça va faire 4 mois. Et du coup, ben, j'ai fait 6 mois à Shanghai. Et là, je fais 5 mois à Taïwan. J'ai trouvé en fait faire fille au pair, c'est super pratique parce que tu vis avec une famille, t'es nourri, logé là-bas, t'as un peu d'argent de poche, du coup, c'est vraiment super pratique et t'as beaucoup de temps libre pendant la journée parce qu'en fait, les enfants ben, vont à l'école. Le truc, c'est que je voulais pas faire ça pendant un an parce que ça aurait été dommage que pendant un an, je fasse tout le temps la même activité. Et du coup, je voulais faire du volontariat, mais le problème, c'est que en Chine d'Alou, il n'y a pas de volontariat. Et pourquoi t'as décidé de venir à Taïwan? À Taïwan, on peut faire du volontariat et en Chine, ça n'existe pas. Oh, toi, tu voulais faire du volontariat? Ben oui, parce que en fait, si tu veux, j'ai juste 19 ans, du coup, j'ai pas de moyens de trouver un vrai travail. Mmh. Alors que le volontariat, c'est super pratique. En plus, ici à Taïwan, j'ai trouvé une mission, ils me donnent un appartement. Wow. Du coup, c'est super bien, tu vois. Tout, ils me donnent l'appartement, en échange, voilà, je fais du volontariat pour eux et c'est super bien. C'est super ça. Ben ouais. Là, pour le moment, ça te plaît? Oh, ben j'adore ça parce qu'en plus, tu vois, j'ai vachement de temps libre et tout, je peux aller. Je suis allée à plein d'endroits dans Taïwan, c'est vraiment super, tu vois. Ben moi, avant de venir, j'avais pas vraiment d'idée en fait. Vraiment, j'y allais sans vraiment connaître. Et ça a été une super bonne surprise parce que, oh là là, t'as des montagnes à Taïwan, c'est magnifique, t'as des plages, c'est magnifique, les villes, elles sont super sympas. Ah, ça a été vraiment une bonne surprise. Hein. Maintenant, on va te faire visiter le nord de Taïwan. Ah, bah ça. Où t'es pas encore allé. Non, 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 non. Mais avant de faire visiter le nord de Taïwan, on va d'abord prendre un dessert. Ça va. Ça, c'était une bonne surprise parce qu'en fait, normalement, à Taïwan, tu manges jamais de dessert. C'est, enfin, moi, je mange jamais de dessert à Taïwan. Et du coup, c'était une bonne surprise. En dessert, il y avait des glaces et c'était des Haagen-Dazs. Oh, c'est trop bien, il y a de l'Haagen-Dazs. Ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Eh ben voilà, qu'est-ce que tu veux? Je te oh, sers. Oh, mais de l'Haagen-Dazs, attends. Tu prends de l'Haagen-Dazs? Ça se confuse pas, ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'était une super bonne surprise parce que les Haagen-Dazs, c'est les meilleures glaces. Bon, c'est pas une pub, mais c'est quand même super bon, les Haagen-Dazs. Ah non, ça, c'était une bonne surprise, là, les Haagen-Dazs à la fin. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé d'Haagen-Dazs? 9 mois. En Chine, il n'y a pas les glaces comme ça, ça fait quand même plaisir, la ganache à la fin. Ça faisait plaisir, ça faisait plaisir. Marion, c'était ta première soirée à Taipei. Pour les 3 jours qui nous restent, on va t'emmener visiter le nord de l'île de Taïwan. Est-ce que tu sais ce qu'on dit à la fin des vidéos? Women, Shatsudien! Yes! Women, Shatsudien! Bye bye! Bienvenue pour ta première journée à Taipei. Il fait un temps absolument magnifique. T'as passé 6 mois à Shanghai, t'es venu à Taipei. C'était quoi ta première impression de Taipei par rapport à Shanghai? Par rapport à Shanghai, je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité. Oh, les mochi au fromage. Mais avec du fromage dedans, le sucre salé, c'était bon. Waouh! Oh, c'est super bon. Et si jamais tu devais choisir une ville où tu devais vivre à long terme, tu préférais Shanghai ou Taipei? Je pense qu'à long terme, je préférerais définitivement Taipei.